Par rapport au système de la santé, j'avais un accident de moto au Burkina Faso et j'ai été transférée à Dakar pour me faire opérer au coude. Et en gros, j'étais dans un hôpital privé, une clinique privée qui était mais excellent, qui était vraiment au standard européen. J'ai juste donné ma carte de caisse française à l'étrangère à la fin et tout était réglé. Donc c'était vraiment une très très bonne expérience. Par contre, je suis aussi passée à l'hôpital public et là, on ne peut pas rester. Hein. Donc si on rentre dans cet hôpital-là, c'est l'odeur du sang, de la mort en gros. On voit les gens qui sont en train de souffrir et presque mourir et il n'y a rien. Donc c'est vraiment là où on voit la population locale qui n'a pas d'assurance même. Et même s'ils ont une assurance, ils ont des hôpitaux qui sont vraiment pas à jour, qui sont vraiment affreux. Il existe des assurances privées et il existe aussi des assurances qui essayent de plus en plus d'adapter leurs offres aux gens qui ont moins d'argent. Par contre, ça reste, par rapport aux revenus de base du Sénégalais, ça reste quelque chose qui est quelque chose qui se fait que dans la classe moyenne.